Bonjour, bonjour. Je viens vers vous aujourd'hui par ce beau soleil. Je ne sais pas chez vous, mais ici, il y a un beau soleil. Donc, je me suis dit que j'allais en profiter, comme il y a de la lumière, pour faire ma petite vidéo. Je vous avais dit, il n'y a pas très longtemps, que j'avais un projet en cours. Et donc, je viens de le terminer. Et ben, je vais vous le présenter. Alors, il n'y aura pas de tuto. Oui, je sais, vous allez me dire, elle ne fait pas souvent des tutos intéressants, importants. Mais en fait, le tuto existe déjà, puisque moi, je l'ai repiqué, entre guillemets, chez une youtubeuse qui s'appelle Calypse Art. Je vous mettrai le lien de sa chaîne en dessous, en barre d'infos. Vous savez, vous appuyez sur la petite flèche plus, et puis vous avez des tas de renseignements que je vous mets en général. Donc, oui, je reviens à mon petit projet. Je l'ai modifié un petit peu parce que, ben voilà, il faut toujours que j'y mette un petit peu ma patte. Et donc, le principe, la structure, en partie, est la même que ce qu'elle avait fait, sauf que j'ai mis mes mesures à moi et que j'ai fait une variante. Donc j'espère que vous allez bien. Je ne vous ai même pas demandé. Mais comme je ne peux pas avoir de réponse, en fait, ça ne sert pas à grand-chose que je vous demande. Bon, allez, trêve de blabla, c'est parti. Donc voilà ce que j'ai réalisé. Un livre d'or. Alors, j'espère que vous allez bien le voir. Donc il est assez lourd, assez imposant quand même. Je vais vous donner les dimensions. Donc il fait 22 sur 18 et demi. Alors pourquoi ces dimensions? Parce que, comme son nom l'indique, c'est un livre d'or. Donc je suis partie sur un carnet que j'ai trouvé chez Action. Et que j'ai pour avoir les dimensions. Mais je vous fais d'abord le détail de la structure. Donc, papier craft que j'ai travaillé pour comme calypse pour faire un effet faux cuir. Ici, il est uni et là, il est froissé. J'y ai rajouté une petite bordure. Qui faisait pile poil la bonne dimension, donc c'était parfait. Voilà. Recto et verso. Et puis, comme j'avais pas pensé à mettre une bordure au début, ici j'ai une démarcation, un des deux morceaux. Donc j'y ai mis un fil doré que je n'ai pas collé. J'ai collé juste à l'intérieur. Parce que je me suis dit que si je mettais de la colle, ça ferait pas terrible, ça déborderait, ça serait moche. Donc voilà, je l'ai juste bien attaché, hop, à l'intérieur. Voilà. Donc ici, j'y ai mis un porte-étiquette. Livre d'or, c'est quelque chose que j'ai imprimé avec, bah, avec mon imprimante, hein, voilà, que j'ai écrit et que j'ai imprimé. Ici, des filigranes. Là et là. Vous, je sais pas si vous vous souvenez, si vous me suivez, j'avais acheté plein de petites vis, comme ça, une grosse boîte de vis. Eh ben, je vous le donne en mille. Finalement, elles ne vont pas. Voilà. Bon, c'est pas grave. Alors, du coup, j'ai pas mis la poignée que je voulais. J'ai mis un espèce de petit téton là, bon, qui fait l'affaire aussi. Hein. Mais voilà, je voulais mettre l'autre, mais bon. Je l'ai attaché. Alors j'ai attaché un élastique à l'arrière avec en dessous une filigrane, ici un petit œillet. C'est les œillets, je crois. C'est les We Are Memory Keepers. Voilà. Donc avec un élastique assez rond mais assez costaud. Et donc j'ai fait une tranche de 6 cm à peu près. Ici j'ai remis des filigranes
avec des strass. C'était les strass que je vous avais montrés. Je les aurais voulu en doré, mais je ne les ai pas trouvés. Donc, c'était ceux de chez Teddy. Et j'ai passé un petit peu de cire dessus pour qu'ils soient moins blancs. La colle qui dépasse là. Voilà. Donc voilà pour la structure extérieure. Ensuite, à l'intérieur, alors la différence avec Calypse, c'est que moi j'y ai rajouté une boîte pour pouvoir y mettre un dépliant avec des photos. Alors ici, le principe est le même, mais je crois qu'elle l'avait collé. Moi j'ai voulu un système où on le glisse. Donc ici, on enlève l'élastique. Et puis j'ai rajouté aussi ça pour mettre un stylo. Et si j'arrive à l'enlever. Ah oui, mais j'ai pas décoré l'intérieur. C'est pas grave. Voilà, vous voyez, ça se glisse comme ça. Vous glissez la couverture. Comme ça, pour écrire, c'est plus facile peut-être. Voilà, après. À voir. Donc c'était un bloc comme ça, un carnet tout prêt que j'ai acheté chez Action. Et puis donc j'ai tamponné et embossé à chaud avec de la poudre dorée. Le tampon, je vous l'avais montré aussi, c'est le tampon de chez Aladdin, celui-ci que j'avais trouvé dans mon magasin de loisirs créatifs. Voilà. Et celui-ci, je l'ai utilisé pour faire une étiquette là. Donc là, il y a une pochette, on peut y glisser quelque chose. Là, j'ai collé une main. Voilà, puis c'est marqué livre d'or, donc on sait que c'est pour écrire. Ici, donc la pochette pour le stylo. Sinon, on peut y mettre aussi un marque-page. Et puis ici, donc, j'ai incorporé une boîte. Et à l'intérieur, j'ai fait un dépliant. Là, on le soulève comme ça. Et là, vous avez un dépliant pour y mettre des photos. Voilà. J'ai pas décoré là parce que ça prendrait trop de place. Donc ici j'ai remis une filigrane, un ou une, je sais pas comment on dit, avec un strass. La couverture je l'ai faite comme l'extérieur du livre en froissé, en imitation cuir. Voilà. Donc pour faire ça, j'ai utilisé pour la couleur de la Distress Spray Stein, comme ceci, c'est Grund Expresso. C'est pareil, je vous l'avais montré récemment hein, quand j'ai fait mes mini-hauls, là j'avais acheté tout ça. C'est drôlement bien, j'aime beaucoup. Et puis après, j'ai passé de la wax, donc. Celle-ci, c'est de chez Stamperia. Alors là, Serra, comment c'est marqué? Serantica Metallic Gold et Serantica Metallic Bronze. Voilà. Puis j'ai mélangé les deux. J'ai fait ça avec des doigts de mousse comme ça. Je trouve que c'est pas mal. Bon. C'est pas très économique parce que ça s'imbibe beaucoup dans le tampon, mais je trouve que c'est plus facile qu'au doigt. Donc voilà pour le livret dans sa boîte. Enfin, le livret, pas le livret, le mini album photo. J'ai pas compté, mais je crois qu'on doit pouvoir mettre. On va compter, tiens, le nombre de photos. Alors, ici, j'ai fait une petite pochette. Une, deux. Alors, on peut mettre des photos 9-13, donc deux par
Deux par page, ça rentre facilement. Ça fait 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 22, 24, 26. Et de l'autre côté, pareil, donc ça fait 52 photos. Voilà. Alors, j'ai utilisé comme papier ce papier également que je vous avais montré lors de mon dernier haul, donc de chez Action. Voilà, le bloc où il y a trois couleurs, trois, quatre couleurs même. Donc, j'ai presque tout utilisé, il me reste une page. J'ai utilisé cette collection, voilà, qui doit être assez ancienne. C'est ma voisine qui me l'avait donnée parce qu'elle ne l'utilisait pas. Donc j'ai pris ça pour faire l'intérieur. Je voulais des motifs qui ne soient pas très gros et dans les tons beige. Et puis pour la couverture de la boîte, j'ai utilisé une page de ce bloc-là que j'avais acheté récemment. Il y avait du glitter doré, donc ça tombait bien. Là, j'ai remis une découpe comme sur la couverture du livre, avec de la wax, alors en craft. Ensuite, je l'ai teinté comme ça, et ensuite, j'ai mis de la wax. Voilà, puis mon étiquette. Donc voilà, mon petit projet est terminé. Je suis assez contente, ça change un petit peu des albums. J'avais pas envie de commencer un album. Et puis là, quand je suis tombée sur cette idée, je me suis dit, c'est ce qu'il me faut. Et comme je vous dis, j'ai un petit peu mis à ma sauce. Voilà. Donc, on remet dans la boîte. On referme. Donc la boîte, elle fait. Bon, j'ai adapté mes dimensions. Hein, elle fait 3 cm. Oui, voilà, je voulais que quand on ferme, ça ne dépasse pas. Donc c'est pile poil. Ah, au début, l'élastique ne tenait pas. Bah oui, forcément, parce qu'il n'y avait pas la boîte. Donc j'ai eu un peu peur. Puis non, ça va. Ça va impeccable. Voilà ce que ça donne quand c'est fermé. Ici, j'ai mis comment ça s'appelle? Des dice qui ressemblent un petit peu à des serrures pour consolider un petit peu la boîte, puis faire un petit effet. Voilà. Bon, ben voilà. Alors, j'ai pas mis noces d'or parce que ça peut être des noces d'autre chose. Hein. Alors, est-ce que je vais y arriver? Mais je suis contente de mon petit projet. Voilà. Ben écoutez, j'espère que ça vous aura donné des idées. En tout cas, moi, j'ai bien aimé faire ça. Je n'oublie pas de vous mettre le lien où j'ai trouvé le tuto. Et puis, ben je vous souhaite un joli week-end. Profitez. Je ne sais pas si le soleil va durer, mais en tout cas, ça fait du bien de le voir. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!